les angles. Belle accélération, suivre son fil, suivre à la volée aussi, sur le premier point. Voilà, ce qui illustre parfaitement le jeu de John McEnroe. Bon service, bonne montée et conclusion parfaite. Il faut avoir aussi le coup d'œil. Bien jugé, la balle sortait. Nous avons un des plus grands services au monde, c'est John McEnroe, et nous avons certainement un des plus grands retourneurs au monde, qui est Jimmy Connors. On va voir comment ça va évoluer. Magnifique la conclusion de Jimmy Connors. Très très haut, qui couvre un terrain, qui se déplace merveilleusement bien. C'était presque l'illustration, je dis presque, de ce que vous disiez, Pierre Barthès, parce que ce point, Jimmy Connors aurait dû le... mieux le conclure. Oui, mais c'est la bonne couverture de défense de McEnroe. Oh là là! Non, 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 non. Un peu de pécho. Un peu de pécho, dans une salle de l'oeil.
On l'a bien vu, elle est bonne, Pierre. Oui. C'est indiscutablement, on va le voir au ralenti, si c'est possible, Patrice Bello, avec toute l'équipe de FR3, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Regardez bien, service. Jimmy Connors. Regardez-le avancer, prendre cette balle montante et suivre la volée derrière ça. Et regardez la balle, c'est magnifique. Et je pense vraiment qu'elle était bonne. Bon, c'est difficile à dire. Difficile. Ah, si. Ouais. Partout. Superbe. Oui, l'attaque n'a pas suffisamment débordé. De suite, il y a précision. Pas assez appuyé. Eh oui, aïe aïe aïe. Et pourtant le cours était presque vide. Mais c'était bien joué de la part de Connors, également égalité. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on regarde jouer McEnroe. Là dans ce coup par exemple, Michel, vous avez été surpris comme moi-même et certainement comme les spectateurs. On ne s'entendait pas du tout à ce qu'il joue croisé. Au dernier moment, McEnroe change son placement par rapport à toute sa technique. Il peut cacher, il triche, disons, il masque complètement le coup qu'il joue. Il masque. C'est sa manière de tricher, disons. Accélération en profondeur, ouais. Alors qu'il était en train de reculer. Il prend son temps. Hein. Il prend bien ses assises au sol et tout le corps est derrière. Cette balle est tendue, toute droite, sans effet. Et elle va vite. Voilà ce que j'aime chez John McEnroe. Il a l'impression vraiment de caresser la balle et ça part avec une élégance et c'est beau. Il n'y a aucun effort, la balle est jouée loin de lui, la raquette explose vers l'extérieur, de l'intérieur à l'extérieur. Il croise aussi bien à droite qu'à gauche.
Eh bien, mon cher Pierre, ce fut laborieux pour Jimmy Connors. McEnroe a même eu une balle de break. Il a finalement gagné son service. Qui pouvait faire basculer dans ce jeu.